la question est absurde. La vraie philo, ça ne veut rien dire, non? Alors, ça ne veut pas complètement rien dire, parce qu'un débat philo, ce n'est pas une discussion de salon. Un débat philo, il y a une problématique, on argumente, on contre-argumente, on pèse, on essaye de tester la solidité des arguments et on fait rouler cette problématique pour évacuer un certain nombre de mauvaises pistes de réponses et essayer de dégager des réponses. Donc il y a une méthodologie, il y a une manière de conduire un débat philosophique et ça s'apprend. Et il faut donner ces outils aux profs parce que ce sont des outils transversaux dans toutes les matières.